Grossman is the mother of all extreme triathlons. 2002, when Norseman was invented. 3,500 meters of ascent on the bike course. 1,500 meters on the run made it something completely different from anything else. Norseman, c'est une course mythique, hein. C'est pas rien, il y a 4400 inscriptions, juste 300 participants. C'est une aventure qui se partage aussi. On doit avoir une équipe de soutien. La première personne, c'est Charles, qui est un ami qui va m'accompagner tout au long du parcours du vélo. La deuxième personne, qui est ma conjointe, donc Joëlle, va pouvoir m'accompagner sur la dernière portion du parcours. Dans le camion, on va être au bon moment, quand il faut, avoir préparé des bonnes choses. Donc, il y a beaucoup de stress. Moi, là, je pouvais juste faire perdre du temps dans cette histoire-là. Jérôme, il visait un top 10. Là. Moi, je pouvais pas faire gagner de temps. Là. Mais on coupe. Non, non, c'est correct, l'émotion. C'est Jérôme Bresson, je suis un sportif amateur. On a pas mal regardé le parcours, on sait à quoi s'attendre vraiment. C'est un des triathlons les plus durs sur la planète. Il peut faire 28 comme il peut faire moins 5, je pense. C'est des distances Ironman, mais avec plus de dénivelé, avec la fin en haut d'une montagne incroyable. Avec le fait qu'il n'y a aucun bénévole sur le parcours pour t'offrir un verre d'eau, il faut vraiment que tu sois autonome en fait, avec ton équipe, là, parce que sinon, tu t'en sors. Je pense pas que quelqu'un s'en sorte. Là. Faire le Norseman, c'est une aventure qui n'est pas donnée à tout le monde. Fait que c'est quelque chose qu'il faut profiter. C'est pas si chaud. Ma natation étant mon point faible, le vélo étant mon point fort, j'ai hâte. Pas d'être tout de suite sorti de l'eau, mais peut-être quelques kilomètres quand j'aurai un petit peu plus chaud. Pour la fixation des objectifs, c'est encore difficile, mais je sais qu'entre un top 5, top 10, ça peut être quelque chose d'intéressant. Seul demain nous le dira. On est samedi, donc 3 heures, c'est l'heure du départ, direction la transition, avec tout le matériel. Il fait nuit avec la frontale. On s'arrange comme on peut pour poser le vélo. Il est 3h20, on est en Norvège au Norseman. La journée va commencer pour Jérôme mais il va sauter du bateau à 5h pile. Ça devrait se terminer à la fin de la journée. C'est comme j'ai hâte, mais j'ai pas hâte. C'est un sentiment un petit peu ambivalent. C'est comme un peu l'entrée vers le purgatoire, entre guillemets. Là. À ce moment-là, je quitte mon équipe. Ben, je suis la file pour entrer dans le bateau. Je pense que c'est le temps d'attente qui est le plus énervant là-dedans. Là. Je reste calme, je veux pas m'énerver. Puis là, j'attends que le temps passe. Quand je vois qu'il reste 20 minutes avant l'entrée à l'eau, ben là, je fais mes derniers préparatifs, mettre le casque en néoprène, les lunettes, puis après, on se dirige vers le mythique saut. Bonne journée, là! Puis c'est parti pour une longue journée. Je pars quand même rapidement. Je regarde à gauche, à droite. J'ai l'impression d'être quand même bien placé à ce niveau-là. Je vois la lumière d'un grand feu, parce qu'ils ont fait un feu pour nous orienter, pour aller chercher une bouée. Il y a juste une bouée dans le parcours. Donc là, moi, je suis dans la bonne direction. Je me fais confiance. En sortant de l'eau, ben là, je regarde ma montre, 59 minutes et 30. Fait que c'est les temps que je m'étais fixé quand même avant de partir. Quand il est dans ses temps, puis on est toujours rassuré. Au moins, on sait que la journée part bien pour lui.
L'objectif, c'est d'aller le plus vite possible. On essaye d'être le plus efficace possible. Ça aurait pu être plus rapide, mais autant bien faire les choses. Donc, c'est le début du vélo. Premier 35 km étant monté, pas d'assistance. J'ai mon rythme, ça va quand même assez bien, même si c'est un bon niveau d'intensité. Le premier 24 km, on n'a pas le droit de le ravitailler parce qu'il y a une question de gestion de trafic. Je crois qu'on n'emprunte pas la même route parce qu'il y a 5-6 tunnels qu'eux n'empruntent pas. Ils prennent une route secondaire, puis pendant ce temps-là, on ne les voit vraiment plus. Puis quand on est parti, il y avait tellement d'autos qu'on n'avançait pas. Puis ça créait des bouchons parce qu'il fallait attendre que les cyclistes retraversent les routes. Donc on a été pris un petit peu là-dedans. Donc ça a été un moment un peu de panique pour nous. Ce qui fait qu'on est arrivé au 22, 23e kilomètre, puis on n'avait aucune idée si Jérôme était en avant ou en arrière de nous autres. On monte, on monte, on monte, on monte encore. On attend notre cycliste, on n'était pas sûr s'il était en avant ou en arrière, mais on a dépassé les meneurs, donc on a compris qu'il était en arrière, puis on est correct. Moi, je m'occupais de remplir les bidons. C'est ça, Jérôme, il se fait comme un gros gel maison qu'il met dans un bidon, donc c'est plus facile à prendre pendant la course. Puis bon, j'ai mis la préparation dans le bidon, mais il faut le diluer un petit peu avec de l'eau, puis j'ai oublié cette étape-là. Jérôme, j'ai oublié de mettre de l'eau dans ta boisson, veux-tu qu'on t'en refasse un? C'est correct? Okay. Il fallait que je tire fort sur la tétine de la gourde pour pouvoir que ça rentre, là, parce que sinon, il n'y a rien qui sortait du bouchon. Là. Joël, je pense, était plus, se retrouvait plus en panique que moi pour cette situation-là. La pression de l'équipe de soutien de quelqu'un qui veut finir top 10 est un peu différente. Tu m'as dit 10 kilos max avant le prochain. La veille, on a eu une rencontre, la veille de la course, il nous a donné deux feuilles, que tout était détaillé, kilomètre par kilomètre, à peu près tout ce qu'il voulait boire. Puis là, on est rendu au kilomètre 37. Regardons là, pour le fun, c'est quand même le prochain step, c'est loin, c'est dans un heure et quart. Je sais pas où la feuille? Oui. T'es sérieux? Elle doit être dans la vallée. Cette feuille-là, on l'a perdue au kilomètre 30. Elle est partie au vent. Il n'était pas question qu'on y en parle parce qu'on ne voulait pas le stresser avec ça, mais tu sais, des fois, il posait des questions puis il nous regardait en voulant dire c'est tout écrit. Là. On le savait que c'était tout écrit, mais la feuille avait pris le bord, ça faisait longtemps. Regarde ça comme ça va. On l'a tout. Heureusement, ben Charles avait pris des photos du plan, puis moi, j'avais d'autres petites notes, donc on s'est bien débrouillé quand même, mais on a eu un autre petit stress à ce moment-là. Donc, il y a quelqu'un ici en Norvège qui a le plan de Jérôme pour l'année prochaine. En fait, c'est tout le temps un peu délicat de dire à Jérôme son rêve. Des fois, il voulait savoir, mais d'autres fois, on sentait que c'était mieux de ne pas lui dire. L'année passée, il s'est fait battre un mégantic par Chris Sterling, un Britannique, je crois. Ouais, fait quand on a vu pendant le vélo que Jérôme était 6 minutes en avant de Chris, on lui a dit. C'est sûr, quand on lui parlait de ça, Jérôme avait le sourire facile. Là. C'est incroyable comment on n'a pas le temps de respirer. C'est intense depuis qu'il est sorti de l'eau, là, qu'on n'arrête pas. Écoute, on fait juste se dépasser, se stationner, puis donner ses bouteilles, puis tout de suite, il arrive. On va bien être deux cyclistes à vue en avant de toi. Pendant le vélo, je me suis à peu près approché du 50, 60e kilomètre. En fait, il était 11e depuis un bon bout de temps, puis on voyait les deux autres avant lui de plus en plus souvent quand on arrêtait. Je sais que je les rattrape, donc... Mentalement, ça fait du bien aussi parce que je sais que l'effort que je fournis est quand même bon. Puis une fois que tu enchaînes les dépassements, que tu passes 10e, 9e, 8e, puis 7e, en l'espace de peut-être 20-30 kilos, là, ça aide beaucoup à finir le vélo en étant vraiment motivé pour partir la course à pied. Là, il a dépassé, il serait rendu 7e. On se voit au T2? On file? Son objectif était un top 10, idéalement un top 5 si c'était possible. On a une course jusqu'à la fin, en fait. Là. Deuxième zone de transition, tout est planifié avec l'équipe. Les chaussures doivent être posées à tel endroit, puis Charles doit prendre mon vélo. Quand j'arrive, je lui lance mon vélo, puis je file à mes chaussures. Je t'appelle dans la transition, j'ai ses souliers dans les mains, puis lui, il arrive. C'était pas tout à fait ça, le plan de match. Ma job, là, c'était
c'était de pas y nuire, là. Mais ça a bien fini. Je serais arrivé 10 minutes avant, j'aurais mis ces running-là, puis il n'aurait pas fait ça en 25 secondes. Puis il a fait ça en 37, ça a été parfait. Le premier 20 km de course à pied, on l'a regardé aller, puis une chance. On a arrêté à tous les kilomètres et demi, ça veut dire aux 6-7 minutes. Ça a bien fait parce que là, il commençait à avoir la face un peu plus longue. On sent qu'il est fatigué, puis c'est normal, parce que nous, on l'est, on court pas, mais je pense que ça va aller là. Il faut juste qu'il respecte ce que son corps lui dit. Il devrait pouvoir le finir. La seule fois que Jérôme, qu'on l'a vu se faire dépasser, c'est pendant la course à pied par un Norvégien. Mais ça n'a pas été si long que ça que le Norvégien s'est mis à mal filer lui aussi puis que Jérôme l'a dépassé. Ça fait déjà presque 2 heures qu'on court. La fin du parcours, les 17 derniers kilomètres, c'est à 10% de moyenne. Donc c'est 1700 mètres à peu près de dénivelé positif entre le début de la côte puis l'arrivée au Gustav Open. Il commence là, dans 3 km, il commence à sortir de la montagne. En théorie, ça va se finir en haut là-bas. Là. C'est là où la course commence vraiment. Zombie Hill, en l'ayant reconnu sur Google Maps, par exemple, on sait que c'est long, mais il faut y aller étape par étape. We focus on safety. When we come to the mountain, we need people to manage to get to the top before dark. So this means that we've had a cut-off point where we allow only 160 athletes to pass this point and to go to the top of Mount Gustav, where they then will get awarded the black finisher shirt. The other athletes, they finish their full marathon at 1,000 meters of elevation. They get a white finisher shirt. L'aiguille, tu la vois depuis longtemps, puis elle s'approche pas vite là. Puis là, à ce niveau-là, je sais que je suis 7e, je pouvais pas espérer mieux. Le sentiment du devoir accompli, la fierté de voir Jérôme qui a été dans sa zone toute la journée, qui a réussi son objectif, d'avoir un peu contribué à ça, un étang, je recommence ça. Là. Jérôme a terminé à 10h55, puis 15 minutes plus tard, on a vu Chris arriver, puis vous auriez dû voir la réaction de Jérôme. Écoute, c'était vraiment beau. Ils se sont sautés des bras un l'autre, puis c'est vraiment un respect mutuel. Là. C'est quelque chose à voir entre athlètes. Là. C'est vraiment impressionnant ce que Jérôme a accompli parce qu'il y a eu 36 heures entre son arrivée en Norvège et le début de la course. Il a fait ça avec le sourire tout le long. Puis il est arrivé en haut de la montagne, 7e, parmi une gang de Norvégiens. C'est, écoute, sont en forme, les Norvégiens. Là. Ce qu'il a accompli, c'est dur à comprendre. C'est vivre, se sentir vivant, d'aller au bout de soi sans abandonner non plus. Il pourrait y avoir des portes de sortie beaucoup plus faciles. On aime la misère.